Allez, là on lance la deuxième. Donc cette fois-ci c'est Moon contre 120. Ah là c'est du lourd. Moon versus 120, this is pretty hyped, as Yes, c'est la 120 is hype. playing undead. He had Donc un Moon, Elf, 120, Undead. Donc là on a pas mal $522, de... but 120, man. On va regarder un peu les stats. Donc là on a l'âge, on a la nationalité, on s'en fout, la race. On a un peu le cash prize qu'ils ont gagné. Ah, Moon, il a 73% de win rate contre les Undead, hein. Un petit peu moins sur 120. Et ouais, contre Moon, hein, il se fait. Oh putain, oui. Oh, il a 43% de win rate contre Moon. 120. Oh punaise. Ouh là là. Ah, c'est compliqué. Et en Elo ranking mondial. Moon a 2349 points et 120 est quatrième avec 2232. Ah, c'est pas dégueu. Le premier c'est Moon, le deuxième je crois c'est une fille ou TH, je sais plus. Allez, c'est parti. I can On va win this avancer un petit tournament. peu. A rush was Attends, hop. harassing this immediately, not going for his, Donc là, il y a une well, petite more than pause. 50-50. A Juste rush avancer un one petit peu. with blades Voilà, nickel. and missing pieces. Allez, cette fois Moon qui a pris le keeper. But okay, DK is coming in, zero Donc experience, Keeper, and une griffe natural d'attaque, on weapon a pris there Trait en level 1. still, and of course he has Voile no mortelle experience, but he pour le is plus DK. one for 20 XP, and the keeper is already taking quite some damage Pour le from Death these Knights. skeletons Ah here. ça va, 120 He has keeper pas versus tant qui ont skeletons ça now. harassé dès le début. Je And sais pas the sur quoi il va keeper is partir Moon. still no level Peut-être 2, Hippogriff comme d'hab. La dernière fois il avait amélioré un peu son build. trying Il était parti to get the sur counter Chasseresse attack et on Masse Rex the Sniper. Dragon Féerique. Je sais pas s'il va refaire la même chose. Peut-être qu'il va pas se faire chier, il va faire un build de standard et puis il va partir Carry through. Chevaucheur d'Hippogriffe. Bon, c'est bon, j'avais peur Wow, d'avoir pas calling lancé through the le rec. forest and he prevents level 2. Damn! Ouais. 120 is on fire! On Thank fire! you, Bruce. Thank you very much for the 29-month resub. Allez, récupérer. Neo, Oh, you're une botte close to d'agilité. Mr. Melbourne. Hey, mate, Pas thank trop you mal. very much for the grace. Your forces are under attack. Le tier 2. Yeah, D'ailleurs, that's petite true. info. Sur le dernier If you patch, say so, les right. Players morts-vivants ont took the récupéré, loss, but on they're va dire, better off. un artefact One pour of the best récupérer des points de vie au undead début. in the early Donc en rebellion sacrifiant une portion unité mort-vivante. and Donc tu level 2 sacrifies une unité clearing. mort-vivante et tu You can't récupères des points de vie. deny all the experience from this Mais level 2 keeper, but après, hein. so much Je me time. suis un petit peu renseigné, apparemment c'est pas si Just ouf que ça thank you parce for que all these les morts-vivants ils days. rushent Thank you rapidement for le being tier so 2 nice, et keeper. après au tier Thank 2 you. tu peux avoir Thank les you statues too, man. obsidiennes I qui ont hate that soin bitch. et mana donc But, you know, c'est part of life. pas. Ouais, c'est plus The intéressant de games rusher will le be tier 2 over. que d'utiliser Yes, almost les two sous calls. pour acheter un artefact que tu vas peut-être utiliser une fois. Gorgeous transition by Moon, by the way. Resulting late Allez, on attack on continue one la of the Death race. Knights. Ghouls Alors, est-ce pray qu'on est en for train de peace. tempo la voile mortelle pour piquer le creep? Again, he's delaying this creep by Donc, just Moon qui est parti two sur turns. Chasseresse, donc ce sera peut-être Chasseresse Spears, of course, don't et do that much damage Dragon anymore, Féerique. as you know from the patch notes. And the keeper starts with a Donc là, little on essaie less de gagner health, du too. temps. Allez, la Three weapons B2. now. Yep, C'est the bon. expansion is Le starting creep to qui est pop. sécurisé. Three. Un anneau de protection. Like Creep d'attaque. the ring buff. Donc là, The pour incoming 120, il a nerf que to the lich une potion de themselves. régénération As there is more et armor une in botte general. d'agilité. Donc ça And then donne you l'agilité, don't ça get donne that donc de much la damage défense electro et anymore. la vitesse d'attaque. Et boum, allez, c'est bon, une voile mortelle sur le creep. Ça s'est récupéré. Donc 120 à l'info. Boum, il est en train de préparer une Thank B2. you, Haposa one for the sub. Alors on se dirige vers le bas, on va peut-être récupérer un deuxième camp de creep vert. Lich is Les coming. ghouls. Slaughterhouse as well going. Oh, Gargouille! Gargs, ladies and gentlemen, of course. How Oh! could I Ah oui, forget forcément. about the new Gargs? 120 They vu are que Moon cheaper, partait they are sur faster, Chasseresse. and Et they quoi de are mieux pour contrer super Chasseresse que Gargouille? annoying. Surtout aussi que sur le patch, les gargouilles ont été This up. was kind of a La meta in vitesse d'attaque? 2007 Non, la slash vitesse de 8. déplacement. Et les points de Knowing vie. ghouls and guards, especially heavy on guards. Les ghouls aussi ont It été is up so fast now. I mean, it's au niveau de still la not frénésie.
C'est passé de Same thing is simple, 25% à 35% de but vitesse you do have d'attaque, the si je aura, me and trompe with aura pas. level 1 you get 10% movement speed that is now On a récupéré donc la 27, Lich en deuxième and with that héros. On a aura pris you Nova de automatically win. Glace pour le So petit now we have combo. guards versus hunts, but they are Le not serment actually sur la physically Lich. fighting this. Bon, But attention, on a la voile mortelle pour la régène au cas où. Vesper could also use a coil, has a little bit more regen. Damn, the regen on the Lich is C'est bon, on est quite resté sur. crazy. Not going Voilà. for Gargs Le alone, sol but peut also putréfier slaughterhouse pour for récupérer un regen. peu plus de All points de vie tools rapidement. hurt, but more Gargs and this little pier Allez, that on we've continue had. la race sur la B2 de Moon. Like the expansion maybe. Donc ça en va, hein. De toute façon, il va focaliser la B2 parce que un elfe avec une B2, c'est compliqué à gérer, hein. Donc là, on va creeper. Oh, Not pierre bad. une pierre de santé aussi Maybe in the long run. This pour la kind of Lich. forces Moon into Hippogriffs. Gant de We've célérité. seen Hippogriffs Hippogriffe. before in the past against Ah! Hippo Riders. But now, it's 2 Ah versus oui, du 2. coup, bah oui. I have archers around, so Normal. 2-0. I S'il have était parti to walk sur Dragon away. Phérix, c'est normal This is qu'il ait really fait hard. les hippogriffes pour It's contrer les gargouilles. all about numbers now. Bon, bah ça va. Ça va, il était Who has the pas trop embêté better? sur No, sur who ce has move. the more? Oh Oh, non, le Moon filet sur les. Lucky, that's Oh, not le how. filet. Bon, ça va. 2 end snares. Agro has changed though. Non, c'est bon, Going tranquille. heavy Y a on B. pas, il a pas perdu trop Lucky if we d'unité get this. sur le move. Mais c'était le Lucky was pire, the hunter enfin before sur Frenzy. lequel j'ai vu, And c'est Frenzy sur les îles du getting Nord, this kind of il y a build so Focus. fast. Il s'est approché trop près d'une Wow, that's great. Nakan orange, il s'est pris un Yeah, coup I de was pierre. thinking that these Et guards could t'as le change Moon qui arrive, qui lui met un Matsuno serment, right il tue after that. Panda second, by the way. son Blade Master au level 1. Oh là là, dégoûté. Bon, enfin bref. Poor Drunken Haste. On va venir sur la première game. Finding an expensive Moon qui a kill. pris le panda. But man, this is a Panda scary Reine. game. Four hippos plus Et il a Nova. pris Ivresse. Et il a pas pris souffle. Pourtant, le souffle a A été up bunch of sur le patch. ghouls for the damage. I would still like to see Carrion. Ghoul Oh, Carrion Frenzy pour avoir le vol split de vie. to like Et one, une two, baguette de vol de two mana. upgrade. Le Oh, TP here we pour go with Def, the la Nova. B2 Drunken Haste important. was nice, hitting almost Oh, il a bien everything. mis But le Light d'Ivresse hein, now, sur les gargouilles, ooh, les didn't get that hippogriffes. Vesper important. The winner of this Allez, game probably faut faire may well attention get parce qu'on all a three of these specials as la well. Nova de glace hein, Just gonna sur la Lich, hein, farm ça va here faire des to dégâts de zone hold hein, them down. sur les unités volantes. Enfin, attention à la Taking out micro. some Vesper and Nova. Not using Attention à la this Nova. here. Hein. Level up for the Panda. So now he has Breath of Fire Allez, and level 2 Drunken sur le Haste. panda. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Le souffle de This feu. won't hurt. Only level 1 though. One of mana Allez, spells. niveau 3 Moon is sur getting le up. DK. Doesn't work with any of Attention, the le DK qui a pris ORs. pas mal de dégâts. On est en train de le Panda reculer. La micro. using that coil Aïe, attack aïe, aïe. very rare to see. Heureusement qu'il y avait les tréants. And 1-2-0 is winning this Et les fight. hippogriffes. Enfin, par contre, les hippogriffes, With ils ont 5 pris pas mal moves de. Ouais, ils now, ont pris pas mal de dégâts sur la Hippogriff for Nova. every single hippo. Surtout qu'on n'a Nova pas is really d'amélioration. Non, c'est bon. managing Il to les a survive. gardés. Il les a bien He micro. can't engage. La pierre de santé sur le DK, logique. Ah, on continue sur la Moon's gargouille. movements are so fast now. It's just Ouais, pure on tier continue. 2 Gargs. Yes, 120 à l'info, il a une faille du côté de Moon. Thank you, Cypher 90 for the 10 € Et hop. donation. Et c'est 90 for reparti. the fight. Nova hits. Where's the Drunken Haze? Where's the Breath of Fire? Here's the Drunken. Many misses. Bien, And c'est they're bon. all ignited. L'ivresse Now sur les they have gargouilles, 64 suivez du mana. feu. Yeah, he's Donc le reaching combo anyway. ivresse gargouille, And c'est du coup now the fight ensues. ça fait Again, du what's dégât he doing? sur la longue Fight sur la durée. far. Ça fait Four versus three. les unités sont enflammées en Nova is fait, please tout losing simplement. quite some. Lich level 2 now though. And boom, there's the Nova. And getting rid of one more Attention, hippo. la Lich level Hippo's 3. Le call. serment. Ouh! Touchstone again transferred back. There is a TP still, Ouh, also la no pierre de Gargs mana qui a été at this donnée point. And there's the à la TP Lich au dernier call. moment. Ouf, c'était Cypher chaud parce here que with là, il another perdait sa Nova. Lich. Trying to save these Gargs as Le well. portail, enfin le parchemin de He's using the téléportation au cas où. expansion. Au And he's cas où loading si on the se prend un Lich. deuxième serment. He Non, keeps c'est. the Ah, l'autre keeper côté. for more entangle on the ground. L'autre côté. C'est pas vu. But it's so important to keep the hippo numbers low. Le bosquet. But I guess he needs to Qu'est-ce be qu'il efficient fait? against this Dépêche-toi, panda. dépêche-toi, dépêche-toi. Not level 3 yet. Oh, this is suicide Allez, for hop. Moon as Ah, il a it passé de deals. mana, je crois, But Moon, no pour faire le Nova. serment. With the statue, can he À keep nouveau, hein, this l'ivresse, on voit, de toute façon, les unités, perspective? elles ont les petites bulles. Hein. Ça signifie No que Gargs, but wrong rally l'ivresse point. a été projetée That hurts sur Moon. elle. And the Lich is in trouble as well.
Allez, 2v2. Le serment. Et en plus, le Tipeee est sur la leash. Ah, est-ce qu'il va lui filer? Non, c'est bon. De toute façon, avec l'aura impie, le DK se déplace rapidement. Donc, il va vite être hors de portée du serment du Keeper. On continue à faire les hippogriffes. Donc là, un match-up, un hippogriffe gargouille. Je sais pas s'il va continuer à faire les chasseresses. Pour moi, bloquer les unités terrestres. Parce que les hippogriffes s'attaquent que les unités aériennes. Tandis que les gargouilles s'attaquent aériennes et terrestres. Bon, après, hein, il a la B2 Moon. Allez, tranquille. On passe level 4 sur le DK. On va préparer la B2. On récupère donc une potion de mana. Moon qui arrive. Pour cancel la B2, s'il arrive. L'ivresse sur les gargouilles. Le souffle de feu. Oh, les dégâts qu'il a mis. Ah là, la statue obsidienne, elle a du taf, hein. On a fait la Nova sur les hippogriffes. Ah, ça. Ah, les gargouilles, hein, ça fait des dégâts. Il a un peu du mal avec les hippogriffes, à mon avis. Tant qu'il n'aura pas amélioré les hippogriffes, ça va coincer au niveau de la Nova. Surtout qu'elle est la Nova, elle est level 2. Donc, ça va être compliqué. Allez. On arrive à dispel, enfin, dispel, à grand-celle la B2, surtout les ziggourats. À nouveau les tréants. On sent le panda reine. Aïe, 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 le panda. En plus, il avait un bâton de préservation. Pourquoi il n'avait pas utilisé? Aïe, 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 ah, ça pue. Ah, ça sent le sapin pour Moon, là. Ça sent le sapin. Là. Je me juste oppose. Là, cet objet-là, ça permet de sauver une unité. Tu cliques dessus, là, l'unité, elle se téléporte sur la base principale. Et il l'a pas utilisé sur le panda, c'est dommage. Il aurait pu le sauver. On récupère un parchemin de soins. On fait les Fiends, donc les Spiders pour. À mon avis, après, il va faire Fiends et l'upgrade filet pour ramener les hippogriffes au sol. Les dragons féeriques, ça y est, c'est lancé. Avec leur brûleur de mana. La B2. Le camp rouge. Est-ce que c'est vu? Ah, c'est vu du coup en back tout de suite. La Nova Glace sur les hippogriffes pour les ralentir. Ah, il y a quand même deux. Hein. Oh la foire de sang qui commence à upgrade les ziggourats. Peut transformer en tour d'attaque. Là, ça va être compliqué. Un Moon là. S'il veut détruire la B2, ça commence à devenir corsé. Hein. On va continuer à faire les tréants. Focus la mine. Le chase des hippogriffes sur la gargouille. Ah, c'est bon. C'est bon, Moon qui arrive pas mal à embêter 120 sur sa B2. Le Drunken Master, Pandaren Bromaster, le Bro Master. Donc là, on a mis Souffle de Feu, level 2, l'ivresse, level 1. On n'a pas été fou, on a récupéré une potion d'invulnérabilité. Ça peut servir pour la suite. Ah, j'ai vu la du chasseur qui est illuminée, donc là, à mon avis, ça va être l'amélioration qui doit être en cours. Donc soit c'est pour les dragons féeriques, soit c'est pour les hippogriffes. Attends, si je me trompe pas, je crois que l'upgrade qui fait Dryade au Druide d'Ours, ça fait aussi les hippogriffes et les dragons féeriques, donc c'est bon. Ouais. C'est l'autre, ça fait pour les hippogriffes montés, donc tranquille, on va pouvoir upgrade les deux unités en même temps. Et deux gants de célérité pour la leash. Et deux bottes d'agilité. Ok, livre de mort. On a passé la potion d'invulnérabilité au Keeper.
Je sais pas si c'est le bon choix. Je vais peut-être laisser la potion d'améliorabilité au Bromaster. Allez, Nova sur les triants, le souffle de feu. Là, c'est un peu le bordel parce que t'as les Ziggurats qui sont là. Allez, le filet. Allez, hop, le livre des morts, donc ça invoque les squelettes. Allez, du coup, ouais, Moon qui focus direct les Ziggurats. Le parchemin de soins. On a tous on a les acolytes hein, pour réparer. Oh là, la réparation, là, ça sert à rien. Donc là, on change. Le souffle de feu sur les acolytes. Attention, le DK de 120. Attention, on est bloqué. Allez, on focus la clique sur le DK. Ah, c'est bon. On a le livre des morts qui a pas mal aidé. On focus la liche. Ah, dommage, le keeper qui a plus beaucoup de mana. Attends, le keeper. Oh, il s'est pris le combo. Ah, c'est dommage, en plus, c'était le... Ah, hop là, mon pote. T'as pris mon keeper, je te prends ton DK. FDP. Allez, boum. Et GG. Allez, victoire de Moon. Ah ouais, c'est instant, hein. Une fois que le Undead, il perd son DK. Ah, son pourcentage de winrate, il chute drastiquement. Ah, c'est dommage. En plus... Je crois que... Attends, juste regarder le team fight. C'était intéressant en plus d'analyser. Parce que le... Ouais. Là, il le passe. Ah, dommage. Ah, il a pas été assez rapide. Il a pas été assez rapide parce que... Là, le keeper, regarde, il est bientôt mort. Il sait qu'il va mourir. Du coup, le Bromaster arrive. Il lui passe... Le bâton de préservation. Mais là, t'as la liche. Et bam! La nouvelle glace. Et surtout que la potion d'invulnérabilité, il l'a claqué quand, la potion d'invulnérabilité? Parce que là, le keeper qui est là. Là, c'est là, je crois. Là, il l'a claqué là. Ok, c'est bon. Ok, il a survécu Il a survécu, enfin, il a temporisé le combo. Mais après, une fois qu'il a pu la potion d'invulnérabilité, hein, t'inquiète que 120, il a dit, toi, mon pote, je vais pas te louper. Hein. Ton centaure à corne, là. Allez, c'est reparti pour la deuxième game. Donc, on est sur Echo Hazel. Donc, la Moon à gauche, 120 à droite, à nouveau le Keeper. Bon, après, au niveau des builds, hein, contre les morts vivants, on va dire c'est un peu, on va dire c'est standardisé, soit hippogriffe, soit chasseresse et dragon férique. À la limite, voilà. Après, si l'autre il fait gargouille, tu fais hippogriffe. Mais en tout cas, ouais, les bâtiments principaux contre Undead, c'est les anciens du vent pour faire les hippogriffes et les druides corbeaux, les dragons fériques. So we have a skull. That doesn't mean expansion necessarily. A player's forces are under attack. Could just be for creeping the middle or the shop. But the keeper is running over right away. With Treants getting is he out of vision? Little bit more experience, closer to two, but 1-2-0 got the creep so far. Should be fine. Everything in order. The coils, of course, can get the kills very easily, but you give out mana. You give up mana. Wait, did the keeper get it? A player's forces are under attack. No, he didn't. Just a little skeleton. So this is a little underwhelming. I think Moon's game plan is falling apart a little because of it. Having no entangle now. No tier 2 on the way, again the Huntress transition to weaken the strength of ghouls later.
also running over. Like, he stays on tier 1 as well. A player's forces are under attack. It's just a ghoul push into the Night Elf main. He's expecting this, building an AP early on. What the fuck? What is this? There's no Acolyte, so it's no... Ah, there is an Acolyte! He's coming from the south, builds a Ziggurat. So, okay. If he knocks the Ziggurat down, then this tower rush is cancelled. Even builds a Necropolis to get the Blight. Okay. Tower push against Night Elf. Let's see how this goes. We have only level 1. The Ziggurat is cancelled. That was big. Keeper is under quite some pressure, though. No aggressive TP, Moonwell is ready, and Hans are coming in. But this Ziggurat kill was so big for Moon. AP is up as well. He's so well prepared, he could even go for Glaive Throwers if he wanted to. And the Necropolis is still only at 1/3. Mana, only one set of Treants in a couple of seconds. But 1-2-0 has to micro, has to send these ghouls away. Reinforcement in terms of Treants. And Huntress, level 2, okay, nice Clutch Coil to save this ghoul. But the AP is moving forward. 2/3 done only, and it will only provide Blight. But more ghoul, is it double crit? No, and a tech behind this. So he sees this is not working out too well. Needs to cancel this. Once the Hunts were out and once the Keeper didn't fall. I'm not too sure if he wanted to nuke the Keeper and it was a misclick or if he really wanted to get that ghoul. He's not cancelling the Necropolis. A player's forces are okay. Under attack. It's a lot of Blight, by the way. What the hell? Graveyard, one crypt, so it's gonna be fiends. Lots of ghouls saved, so it's not like the Keeper is fat. A town is under siege. I think 1-2-0 didn't lose a single unit here. AP is slowly but steady taking care of this. But the Blight is there! The Blight is there. Expansion by Moon at 50%. Will he try to push this again with tier 2 with a Lich? Or is it done yet? A player's forces are under attack. Thank you, Daniel, for the 5 € donation. Thanks for the great casting as always. Greetings from the Ruhrpott. Greetings to you too, Daniel. Enjoy the summer at the Ruhrpott. So, level advantage for 1-2-0. Tech advantage for 1-2-0 as well. As Moon is teching quite late. But there's an expansion coming for the Korean. He has a decent army with the Huns. Still taking care of this Necropolis, but whatever, it's just a little vision. Finally level 2 as well, plus a staff. So how's he following this up? Of course with a Lich. Okay, with a counter expansion. Moon will scout this in a second. Ooh. Dispel, how many skeletons? 0, I guess. Wait, he used the dagger! Lols. First time dagger in a pro game here on Back to Warcraft. A town is under siege. For the region. You see, the region isn't the greatest. A lot of it was cancelled. So he's using the dagger again, I guess. Here we go, repositioning. Yeah, it's all a little clunky. Okay, he's saving it for now.
either he's trolling. Well, this is like how you have to use the dagger, right? Outside of fights, after creeping, I guess. It is decent regen with Unholy Aura and Blight. Just to be a little faster back on the battlefield. But here we go again. Level 3 Keeper now with the heal scroll. How is 120 supposed to do this? Huntress are falling though. Lich is coming for a Nova. And another kill thanks to good micro with ghouls. Damn. Already more kills than I expected him to get. Which entangle didn't do anything. Expo is at 2/3 and it's still a lot of damage. Okay, he should. Oh, Coil Nova maybe. There's both. He has to get out. Okay, focuses on the Wisp though. No mining for Moon for a couple of. Like for a minute or so. And he's getting level 3 with his archer. There is dust, so no need to shadow meld. Boom! Frostmourne hungers and gets some level 3. And Expo is up. Not fully mining, but we're getting there. Almost another surround. Hmm. Still only tier 2. Really, really trying hard. Oh, info potion, nice. Trying hard to get this lich, but it's not working. Sacrificial dagger once again. Lich is getting some regen, but it's cancelled. It's not cancelled. Now. One more entangle, the lich is dead. Or can he even get him down with the dryad? This kinda looks like it. Can he reach? Oh, the dryads wrapping around. No TP, and that is the lich kill. And there's still no TP on this DK, trying to counter focus, but not getting the keeper. Ghoul is following. Statue is trying to block. Frostmourne. No, that entangle. So sweet. Grunt can't reach. DK so low. Oh, the ghoul can reach now. Who's gonna die first? DK is dying, and that's a double kill for Moon. Smells like a 2-0 here as he saves the keeper with 10 HP. What a play! What a play by Moon. Having to get the Lich and the DK back now. Oh, that takes forever. Cancelled the Lich as well, right?
Non, faudrait pas que je me plante sur le montage. Moi, bon, je verrai ça tout à l'heure. On était où? Donc, du coup, on est sur la deuxième game. Moon contre 120. Equalizer. 2B2 de chaque côté. Et ça, aussi. Second crit won't see the light of day. Monte un petit peu le sang comme ça. Second feat, is it like blocked? Le TP, grâce au bâton de téléportation, on a la Naga. Donc pour rappel, hein, Moon qui récupère les deux kills hein, sur les deux héros. If Moon is so confident to go into on that base, you know. Ah, et tranquille, well Moon qui a un poisson style. Direct sur la B1, 120 qui a lancé son tir 3. C'est un petit peu coincé. Allez, ça focus la Fiance. D'ailleurs, pas d'hypogriffe, hein, que des dryades. Allez, ouais, c'est la régale. Hein. Free XP hein, pour Moon. Ah, ça sent le 2-0. Ah là, Naga il est level 2, il a pris éclair et flèche vivante. Very, very dominant now. There's so much time. 1-0 kind of forgot to buy the lich back, right? Or canceled it. But when he canceled it, I really don't understand what he did. Tac. Ah, c'est bon. J'ai bien le. Moon's keeper safe there, man. So gorgeous. So lich is coming back. He's. Does have tier 3 now. Destroyer upgrade coming and of course orb. 800 gold. 1-0's expansion is still running. Attends, regarde si j'ai pas un problème sur le Twitch. Ok, c'est bon. Ça passe. C'est bon. Ouais. So it's not game yet. Moon is going for bears as destroyer come. They will be countered. Such good heroes and upgrades for the unit. Ah, essaye, ça suffit. Still a rough game for 1-0. Buying something. Up. Temple of the Damned. Is this gonna be a showcase of the new undead stuff? Will we see necros for the first time? On est en train de faire des necros. He played it once on the old patch against an orc. Was it Lin? Cripple was kind of cool there. Alors du coup, level 3, level 2, on récupère une potion d'invulnérabilité. On a deux griffes d'attaque pour la liche. Ah, c'est pas dégueu. Allez, les nécros. Par contre, hein, on a 1K gold, 2K pour Moon. Ah, au niveau ressources, on n'est pas trop mal. Hein, 50-80, les destructeurs pour 120. Alors, on ramène l'ancien protecteur, surtout pour défendre la B2. Les druides d'ours, le tier 3, l'upgrade des puits de lune pour augmenter la régénération et la capacité. L'amélioration des nécros. Nécros, ça fait. C'est pour quoi? C'est pour. Attends, ils ont Frienzy. Et ils ont la vocation des squelettes. Ouais, Moon qui arrive par derrière. On a récupéré l'orbe. On a soigné. Allez, on focus
Les Fiends, est-ce qu'on va arriver? Ouh, c'est bon. Le bon TP. Oh, 1-0. Couple of mistakes. 2000 gold for him though. On a pas mal de gold, on a 2K. On va pouvoir acheter un nouveau un parchemin de téléportation. Thank you, Dave, for the 5-month resub. Qu'est-ce que c'est la suite? Récupère des destructeurs, nécro, le banshee c'est mort. On pourra pas faire de banshee, ça c'est sûr. Another claw. Okay. 3 griffes d'attaque, l'orbe, la poudre, encore à chaque fois je me trompe, la potion d'invulnérabilité. On a lancé des hippogriffes pour contrer les destructeurs. Ouais, il a fait presque tous les bâtiments Elf Moon. Tu vas me dire, avec presque 1,5K de gold. Et à nouveau le TP, hein, parce qu'il s'était fait prendre en sandwich. Ouais, un destructeur qui a été pris. Allez. Après, mine de rien, mine de crayon, à coût de 300. Ça a commencé à piquer, hein. Surtout qu'on a que deux B2. Enfin, qu'on a qu'une B2, on peut pas en avoir deux. On est limité, hein, vu que c'est une petite map, on est limité au niveau des ressources. Ouais, faudra faire attention, hein, sur la suite. Contrôle un peu sa dépense. Ah, il y en a beau. Pour un peu tanker les druides d'ours. Peut-être récupérer du mana sur la boule à sacrifier. Oh! Hop là, allez. On a fait le bâton d'illusion sur la naga. Le DK, attention, le DK qui a pris pas mal de dégâts. Hein. T'es en front lane. On a récupéré la. Ouh, elle est. Oh! Il a pas eu le temps de. Il a pas eu le temps d'activer sa potion. What? Attends, pop. Attends. What the fuck? Donc ouais, du coup, attends, je crois que le nécro, c'est il sacrifie une unité, yep. Et ça buff, et du coup, instant avec les dryades, on a enlevé l'aura sur les fiends, et ouais, le dispel instant, et ensuite, hop là, boum, la clique sur le DK. En plus, on a plus de potion. La potion, elle est sur la liche. L'éclair. Ah, il a pas eu le temps de. Il a pas eu le temps de lui passer le. La potion. Ah, ça a été rapide. Hein. Allez, du coup, ça fait 2-0 pour Moon. Allez, on est sur Terrenas. Donc là, si Moon gagne, il va direct en finale contre Soin. Donc ça ferait une finale orc-elf. Bon, après, Moon, je crois qu'il a eu du mal un petit peu sur Soin. Contre Soin, je sais plus. En phase de groupe. Un petit peu. Je suis pas sûr. Après, on verra bien. En finale, ça va pas être la même. Donc là, on est parti sur un build standard. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer en deuxième, enfin en premier héros? Le DK, comme d'hab, je pense. Ça va pas changer. Allez, hop. Oh, Lich first, okay. Oh, la liche. En premier. Ouh, c'est greedy parce que la liche. Ça. C'est une chips, hein. C'est une chips, la liche, hein. Donc. Faudra faire attention, hein, sur les. Après, c'est un.
Ça a beaucoup de dégâts en zone. Mais ouais, au niveau défense et point de vie, c'est pas ouf. Hein. Donc là, il est en train de préparer les Fiends. Pas les Fiends, les... ce qu'il pourrait préparer. Donc là, on a eu le shop. Non, je pense que les Fiends, ça va venir après. Ça va venir après. Lightning Shield. Et la Warden? What? C'est quoi cette game? La Warden contre la Lich. Donc là, on a la Nova et le Tourbillon. Ok, il n'a pas pris le poison, Moon, en premier. Ah, faut juste voir qu'est-ce qu'il va faire contre la... Qu'est-ce qu'il va faire contre les Undead avec le... Avec la gardienne, enfin la warden. Parce que généralement la warden on la joue toute seule. Hein. Justement pour rusher le level 6. Et après le level 6, c'est insane hein, avec son avatar de la vengeance là. Mais après le change, c'est la garder en vie. Hein. Le plus longtemps possible. Pour accumuler l'expérience. Parce que bon, après la warden c'est un peu. C'est pas squishy mais. Bon. Ça n'a pas non plus énormément de points de vie. Donc là, on a récupéré une potion supérieure de mana, donc c'est très bien pour la Lich. Comme ça, moi, elle n'aura pas besoin de sacrifier des unités pour récupérer du mana. 120 qui prépare la B2. Oh! Une B2 directe comme ça? De toute façon, Moon aussi est en train de préparer sa B2. On a un diadème, anneau de protection, gant de force, parchemin de rugissement pour l'elfe, pour Moon. Et le goûter de 120, on a l'anneau de force, potion supérieure de mana. On a la nouvelle cape, donc la nouvelle cape, on peut devenir invisible même de jour, enfin de jour comme de nuit. Le tourbillon, est-ce qu'il va récupérer le troll? Ah non, le troll a été tué par 120, donc pas d'expérience pour Moon. Le dispel de la zone, comme ça, essaie de ralentir la mise en place de la B2. Et tourbillon et poison pour la Warden. Et le Berserker qui arrive du côté de Moon. Attention à la Lich qui a encore du mana, faut pas qu'il se prenne un Nova. Bon. Et le TP. Après, Moon, il a pas pris le blink, ça aurait été... Est-ce que ça aurait été mieux de prendre le blink? Après, il aurait pas récupéré d'autres kills. Est-ce que la grid, c'est mieux que le parchemin? Ah, je sais pas, c'est compliqué. Bon, après, je pense qu'il va récupérer... Il va prendre quoi? Bot et bâton de téléportation pour la suite, Moon. En tout cas, ah bah c'est ça, voilà. C'est bon. Bot. Et bâton de téléportation, c'est fait, c'est récupéré. Chasseresse. Berserker, troll de forêt, donc les trolls qui ont soin et abolition de la magie. La B2, c'est fait. C'est validé. Ouais, Moon a... Donc Moon a fait sa B2, c'est bon. Donc là, il est en train de déplacer son bâtiment pour prendre la deuxième mine. Chasseresse, est-ce qu'il est reparti sur Dryad? Ça serait un peu... Sur Dryad, ouais, ça serait dans la continuité de la deuxième game. Par contre, à 120, il est en train de se rapprocher dangereusement. On se retrouve avec Ghoul et la Nova de la Lich. Et en plus, il a récupéré une potion de mana. Bon, après, la Warden a récupéré un talisman de mana. Allez, la chasseresse qui tombe. Allez, on focus la Lich. Hein. Le poison. On a dispel l'ancien des merveilles. Ou la Lich et le TP. Ah, c'était ça, c'était mon call. Focus la Lich direct hein, parce qu'il n'y a pas le DK pour la soigner. Et la B2 qui est finie. Trinkill, la Nécropole, le tier 2.
Donc le... On va faire le décalage sûrement. Sûrement. La rencontre. Ah, Moon qui a faim. Yeah. La liche. Oh, le TP. Oh, le TP. Oh là 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 là. Oh, heureusement que la liche, elle a pris le BT. Oh, le TP sur le feu follet et puis le TP out de la liche. Oh, beau move, hein. Ah, ça joue, hein. Ah, on a brûlé le... Enfin, on a sacrifié le squelette. Le poison. Est-ce que ça va suffire, cette fois? Parce que là, le TP, il est up. Ah non, le TP, il est pas up, hein, je crois. Aïe, aïe. Non, le TP, il est pas up, hein. Du coup... Et bye, bye. Bye, bye à la liche. Par contre, la Warden... Non, c'est bon. Je pensais qu'elle était coincée, pas du tout. On a eu les unités qui sont ramenées. Oh, deux berserkers, un troll de troll des forêts, troll de soins. Pas de tier 2, donc pas de ralentissement. Oh, le tourbillon qui a fait masse dégâts. Est-ce qu'il va grid encore? Ah, pas trop, hein. Ah, le pendentif de d'énergie, il fait du bien. Ça gonfle les... Ça gonfle le... Mince. Les points de mana. À la liche. Oh, l'ancien protecteur. Le tourbillon, on a l'ogre. Ah, oh, 120 qui est en train de tempo, hein. Faut vite régène l'altar, l'hôtel des héros. Bah, par contre, les acolytes, ça régène vraiment rapidement les bâtiments. Donc, c'est bon, on a reculé. Ah, bon, je pense que la liche, hein, ça y est. Elle va sortir. Ah, par contre, ouais, pas mal de, on a le tier 2, on a l'amélioration du ziggurat. Du coup, on a pas mal d'unités qui ont été pris dans le givre. Ah, dommage, l'ancien protecteur. Je sais pas si ça va suffire. Non, ça va. C'est bien tenté comme move, mais ça va qu'il défend correctement. Ah, même avec l'ancien protecteur, est-ce que ça va suffire? Ah, j'ai un petit doute. Hein. Ouais, l'abattoir. L'abattoir qui est cancel. La Warden qui arrive. Et à nouveau la liche. Et la liche qui reprend du mana grâce à la potion. On a récupéré son mana, on a récupéré sa Nova, les 150 hein, de dégâts. Ah, le DK. Ah, le Berserker. Ah, dommage, le Berserker qui tombe. Ah, à nouveau l'acolyte hein, qui arrive pour régène, réparer l'altar, mais ça va pas suffire, hein, le DK qui va sortir. Ah, dommage, Log qui tombe. Les Lich qui passent level 4. Et du coup, on a mis 2 points. Le golem de pierre qui a failli tomber. Et en plus, on n'a plus de mana sur la Warden. On continue à upgrade hein, la B2, le DK. Attention. Je crois qu'il allait se prendre le combo. Mais c'est bon, il a juste régène la liche. Le TP out. La B3. Oh, Moon qui prépare une B3. Du coup, deux anciens, du savoir, le tier 3. Donc, c'est reparti pour Dryad et Druidours, à mon avis. Bon, ouais, il est toujours mono-héros hein, contre double. Après, au niveau des dégâts, je pense qu'il peut faire un. S'il chope le DK level 1, je pense à mon avis il l'atomise, mais à mon avis, il va pas se déplacer tout seul, il est pas fou. Oh, l'enterrement des Fiends, donc ça a permis au Spider de rentrer dans le sol et pouvoir se cacher et de se régène. Donc elles deviennent invisibles, hein. Donc pour les fois qu'elles sont dans le sol, il faut utiliser soit un aigle du Belluer, soit. Soit une poudre d'apparition pour les révéler.
Temple of the Damned. Allez, le temple des nécros. Nécro Banshee. Passe level 5, Carrion. Oh, Carrion pour la Warden, donc ça donne du vol de vie. Ah, c'est pas mal, en plus elle a un diadème, bots, bâton de téléportation, point d'antif d'énergie, et le Bromaster. D'accord, donc Moon qui est pas parti sur un seul héros pour la Warden, enfin qui est parti sur sur double héros plutôt que un. Le Zeppelin. Ah, ça sent le one shot des acolytes. Attention, le dépôt. Donc là, on va essayer de monter le level 2 sur le Bromaster. Tac, hop là. Oh là là. Allez, on a pris un seul kill. Ah, dommage, on n'a pas le. On n'a pas le blink. Donc là, sans vacer que Moon est dans sa B2 en embuscade. Bon, pour l'instant, il en profite hein, pour creep. Du coup, ça deny des ressources pour 120. La B3 pour Moon. On a vu, on est en train d'upgrade, ouais. On est en train d'upgrade l'attaque. Des druides ours et des dryades. Ok. Deuxième. Troisième même. Attends, un, deux. Non, c'est une deuxième. Un deuxième abattoir. Et un temple de un temple des nécros. Par contre, on n'a plus trop de mana. Est-ce qu'on aura le temps? Non. On va pas pouvoir faire un deuxième tourbillon. Je pense pas. Où est-ce qu'il a téléporté? Et c'est parti, mon kiki. Conscient. Pas de poison. Tourbillon. Fan against this army composition not the greatest anymore. It's the best against ghouls. The more HP. Allez, le son sur le Fiends. On se retourne sur le DK. Le DK il a récupéré une pierre de soin. Le rugissement. Allez, le clic hein, sur le DK. Un ours qui tombe à cause du Nova. Le Bromaster, le souffle. À nouveau le soin. Oh la micro, aïe. Oh, y a trop de dégâts sur les ours. Le level 5 sur la liche. Il reste plus qu'un ours destructeur. Ah, les ours hein, ils prennent trop de dégâts sur les unités magiques. Aïe. Ah, ça commence à être compliqué, la B3 qui est lancée. Allez, c'est parti pour les nécros. Thank you Furu Katsuragi for the 14 month resub. Have a great weekend. Ouais, on continue à creep hein. La principale. Il y a une potion supérieure de soins. Ah, le level 6. Aïe. Un troisième ancien. Ok, la défense. Ouais, il manque un peu de. Ça s'est vu, de toute façon. L'ours qui se prend une Nova, destructeur et tout. C'est des ours, hein. Là, c'est des ours chips. Là. Des ours en guimauve. Allez, tourbillon. Allez, la potion de soin qui a été claquée. Attention, hein, le panda. Aïe. Ouh. Ouh, les dégâts. Ouh là. Par contre, et troisième héros, donc il récupère le Dark Rangers 120. His HP bar was shrinking in like. Par contre, comment il a récupéré les points de vie encore le. Parce que là, il utilise sa potion de vie. Donc là, le bro qui tombe. Ouchie! Where did this damage come from?
Holy shit! Another bear falls. Comment il se régène le DK? C'est quoi, c'est la... Ah d'accord, c'est bon, je suis bête, j'ai pas vu. J'ai pas vu, il a récupéré le... Son sort, level 4, il a récupéré le soin en sacrifiant une unité. Ah, je suis bête, j'ai pas vu. Donc c'est pour ça. Du coup, il a sacrifié quelle unité? Donc là, il tue le Bromaster. Et là... D'accord, il sacrifie une Fiend. Ok, autant pour moi. J'avais pas vu. Donc 3 héros contre 2. Le poison. Aïe, 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 les dryades. Aïe. C'est pas bon pour Moon là. Plus 2 destructeurs. La B3 qui va tomber. 3 héros. On a pris le silence en premier sur la Dark Rangers. Donc la Dark Rangers aussi qui a été up. Hein. Donc on peut créer des squelettes en utilisant l'aspiration de vie. Et la moisson noire, la moisson nord. Allez, ça tank, ça tank. On recule du côté de Moon. Aïe. Et TP out. Et GG, ouais. Allez, Moon qui était trop en retard. Hein. Bon bah, 2-1. 2-1. BO5. Donc là, je crois que c'est Last Refuge. Ah. Donc il y a 2-1. Donc là, potentiellement la dernière game pour Moon. Faudra regarder au niveau aussi du build. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va reject les hippogriffes? On va voir tout ça. 120, pareil. Est-ce qu'il va rush sa B2? Ou il va rush le tier 3? C'est intéressant à regarder. Un creep, un alter. Allez, le shop, voilà, c'est l'accro pour Scout, on sait qu'elle est cool, le Ziggurat qui va terminer, allez, le DK, DK first, et le Keeper first aussi. Moon not jumping on the DH hype train. To be honest, I haven't seen other Night Elf players against Undead thus far. Continue le shop, le ziggurat. On scout. Allez, parti pour le creep. Le keeper qui vient bientôt arriver. Les triants, comme d'hab en premier. Attention! Ah, dommage, le miss. C'est dommage. Ouais. C'est l'ancien de la guerre qui a tué le creep. Et vu que c'est pas une unité elfe qui l'a faite, c'est un bâtiment. Du coup, l'expérience est perdue. Ouf, faire super attention. Il faut pas que le bâtiment tue les creeps, sinon, pas d'expérience. Par contre, c'est bizarre. Oh! Une B2 comme ça, ah, Moon, quelle info? Est-ce qu'il y a un Wisp qui arrive? Le triant? Ah, on va venir gratter, hein. On va venir gratter. Allez, le Wisp, et bim! Bien joué. Hop là. Du coup, ça cancelle la prise de la B2. Encore du mana. À la petite Zizou pour bloquer. Just
Oh, joli. Oh, non. Ouh. Bien joué. Oh, le petit Tréant. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Non, ça va. Il y a eu la régène. La voile. Oh, on continue sur les chasseresses. La B2 qui est lancée. B2, tiers 2. Chasseresse. Pas de tiers 2 lancé. C'est bizarre ça. Donc là on était en train de creep en parallèle, donc le DK qui passe level 2. Moon qui continue à Daras. Donc là on est en train de def la mine hein, pour contrer une éventuelle B2 de 120. I would certainly like to see Gox. On va profiter pour dîner l'expérience. Attention le squelette. Ah non, c'est bon, ça a été récupéré par Moon. Keep a level 2 as well. Staff on the DK, interesting. Donc là le DK qui a bâton de téléportation, bâton de nécromancie, le tier 2 qui est lancé. Le level 2 pour Moon. Ah, tier 2 bientôt terminé. On va pour lancer les Fiends, et l'abattoir et la liche. Donc ça, on est en train de se diriger vers le haut, c'est vu par le feu follet. Le back, justement Moon est en train d'attaquer la B2. La liche qui est en cours. Donc là on empêche vraiment la prise de la B2. Allez, l'abattoir. Donc pour l'instant en population on est à 35-50. Double crypt. Usually you build it during the tier 2 tech. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ça encore? Il est pas en train de faire des gargouilles quand même? Enfin est-ce qu'il va pas préparer gargouilles? Double crypt. Pour faire quoi? Pour faire plus de fiends? Pareil bizarre. With this build, maybe you get the lich earlier. La liche, c'est bon, elle est sortie. On continue à faire des chasseresses. La B2. Donc là, on laisse le bâtiment tanker les dégâts. Donc là, on a Olu chasseur. Est-ce qu'il va se relancer sur Dryad et Druidours Moon à nouveau, ou il va changer, il va partir sur Hippogriff. En tout cas, ça c'est sûr, 120 est parti sur Gargouille. Ah, il a un peu retard, je trouve. Il aurait dû faire ça un peu plus tôt, 120 pour les Gargouilles. Bon, après, ça repartit à peu près similaire à la première game. On avait chasseresse, gargouille, après c'est parti sur Hippogriffe. Bim! Allez, le squelette qui est récupéré. Donc il y a la gargouille qui est passée à côté de l'hôtel, enfin l'hôtel, la fontaine de santé pour régénérer un tout petit peu. On va se coûter un peu. Bon, à mon avis, sans moi, je se doute que Moon a lancé sa B2. Ah, la B2 qui se fait attaquer. Une archer contre deux ghouls. Ça va être compliqué. Du coup, on deny juste les feux follets. Donc là, un feu follet récupéré. On ramène. La Nova qui a touché. Allez, la première. Allez, on récupère une archère, une chasseresse et une ghoule. Oh, une deuxième chasseresse.
Aïe 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 aïe. Level 2 pour la liche. Donc le sacrifice et la Nova. On a mis 2 points dans, dans le serment du keeper, c'est normal contre les. Contre les Undead. Et pour le DK, 2 points sur le, la Nova. La voile mortelle et sur 1 point sur l'aura impie. Et c'est Dryad. Ok. Donc Mouk est parti Dryad, cette fois contre les gargouilles. Ah dommage, on a perdu un peu l'aggro sur le dragon. Le keeper qui arrive par derrière. Par contre. On a récupéré un ghoul. Ah j'ai pas vu. Bracelet runique, ok. Ah, pas trop s'avancer parce qu'il y a là, voilà, justement, il y a le. Il y a la force de givre sur le deuxième battu, sur le tier 2. Le bro master! Qui est prêt, level 1. On va faire attention parce qu'on a pas le bâton de téléportation sur Moon. Ce serait bête de se prendre une Nova et un combo sur la tronche et le perdre, son keeper. Donc là, on partage bien l'expérience, hein, reculer le deuxième héros. Le forcer à récupérer, on dirait un camp de creep important. Ça, il va vite passer le level 2. Level 2, level 3, je pense. S'il se dirige vers le bas, sur la fontaine du bas. À l'échelle level 2, le keeper 3, et DK 3. Et les potions supérieures de soins sur le bro master. Donc, ça, c'est celui qui est en front line. Donc, il faudra peut-être même le renforcer d'une potion d'invulnérabilité. Je pense que ça serait pas de refus. Ah, par contre, on est un petit peu hors position de côté Moon. Est-ce que ça va TP? Ouais, c'est bon, ça TP. On a préparé l'illusion. Allez, bim! On a récupéré le feu follet. On recule instantin. Allez, c'est parti, la course poursuite. À nouveau le bâton d'illusion sur le Bromaster. Eh non, c'est pas le bon, mon pote. Eh, la chasseresse qui tombe. Reste des dryades. La clique, un dryade sur les gargouilles. L'ivresse. Le souffle de feu sur les gargouilles. Ah, par contre, ouais. Aïe, aïe, aïe. Les gargouilles, elles font trop de dégâts hein, sur les dryades. Plus t'as la Nova. Et on ramène des dryades. Pourtant on a pris le level on a fait level 1 d'attaque et level 1 de défense, mais ça suffit pas. Alors on continue. Le panda il a plus trop de mana, donc on peut pas faire le combo. Peut-être à la limite peut-être assez de mana pour faire une ivresse ou un souffle de feu. Attention le keeper qui s'est déjà pris un Nova. Alors c'est bon, non plus sur 120 les deux héros ont plus trop de mana. Passe level 3. Ouh, c'est bon, on a récupéré un peu de mana, on passe avec le passage. On a monté le souffle de feu sur le Bromaster. Et on continue à attaquer la liche, le serment. Oh, je crois qu'il a plus assez de mana pour faire un serment. C'est bon. Il a réussi à s'extirper du serment. Level 4, level 3 pour Moon. 4 et 3 pour 120. Donc là, au niveau héros, on est à égalité. Donc là, un parchemin de soins. Ah, on continue à attaquer. Hein. Ah, par contre, ouais, 120, il a pas mal de gargouilles. Hein. Puis je crois qu'il est en train d'améliorer l'attaque et la défense. Ah, ça va être compliqué. Hein. Dommage qu'il n'est pas reparti sur Hippogriffe. Peut-être il a peut-être pas le temps. Donc là, la voile hein,
sur la liche, on a eu le combo, hein. Ivresse et souffle de feu sur les gargouilles. Mais on a statue obsidienne de soins pour contrer. À nouveau le feu. Attention, attention à la liche. La liche, la liche, la liche et le TP. Ouais, la liche qui a fait une. Enfin, sans moi qui a fait une petite erreur de position sur la liche, qu'il a mis trop. Trop devant. Là, on a TP le Brewmaster. Allez, pas mal de régénération. Ouais, il y a pas mal d'objets, hein. Potion d'invulnérabilité, potion de mana, potion supérieure de soins. Salut Fred. Bâton de téléportation, anneau de force. Ah, dommage, hein. Le soin qui a été cancel. Eh ouais. Il m'a fait peur avec lui. Dommage, j'ai cru que la dryade aussi allait mourir. Par contre, il y a un objet, hein. Et on a récupéré, je crois qu'on a récupéré le carillon, hein. Donc attends, est-ce que... Attends, juste regarder, revenir en arrière. Oh boy. One kill. Non, c'est bon, ouais, c'est bien Sanva qui tue le dragon, c'est pas... Je pensais que c'était Moon qui avait tué le dragon et qu'il était forcé d'abandonner le carillon. Oh, c'est bon, ok. Bon. Le panda, il est tranquille, hein. Plus un... Oh, il bande un petit feu d'énergie pour booster le mana. Ah, attends, qu'est-ce qu'il va récupérer? What? Ah ok, d'accord, il a filé le TP. Il a donné la potion d'invulnérabilité au Keeper. Ah, parce que le panda c'est manavore, hein. C'est sort. Ah, souffle de feu, je sais pas s'il a... Non, il a pas touché. Il a touché qu'une gargouille. Mais en tout cas l'ivresse, ça a touché, hein. Ça a touché pas mal d'unités. Level 4 sur la liche. Allez, on met des points directs, on perd pas de temps. En plus, le 101 qui est en train de préparer sa B2. Là, il clique sur la liche. De toute façon, il y a le DK pour la soigner au cas où. Ah, ça fait des... Oh, les gargouilles, elles font des dégâts sur les dryades. Hein. Oh. Heureusement qu'il y a le pandin pour essayer de faire des dégâts un maximum de... sur la zone. Allez, la Fiance aussi. Attention les ziggourats. Ça a touché. Miss. Burn. Allez le panda, ça y est, qui a donné la potion de soin sur le keeper. Allez, ça y est, Moon qui est en train de prendre le contrôle du team fight. Ah, le keeper. Ah, dommage, le keeper qui s'est soigné, mais il s'est pris le combo sans pouvoir utiliser la potion d'invulnérabilité. Aïe, aïe, aïe. Ah non, pas le temps de soigner la gargouille avec le DK. Allez, le A clic sur le DK. Et GG. Et Moon qui est en finale. Ah, il avait trop d'avance. Il avait trop d'avance, à Moon, il avait sa B2. La B2 sur Moon, il avait cancel la B2, enfin il était en train de cancel la B2 de 120. Le panda qui allait récupérer pas mal d'expérience. Ouais, du coup, ouais, il avait snowball. Hein. Il y avait quoi d'autre aussi sur le DK, en plus le DK qui a pris pas mal de dégâts. On a plus de parchemin de téléportation. En plus, en niveau ressources, on était à 50 sur 60. Et Moon qui était à 80 sur 80. Ouais, il y avait une trop grande différence. Hein. C'est pour ça qu'il a surrend instant. Ok. Donc là, aujourd'hui, on a fait les demi-finales. Donc Moon, Soin pour la finale. Donc là, je vais la cast demain. Merci Maxi pour le follow, Maxime DS.
Donc demain, pareil, vers 5h, 5h30, on se retrouve pour le cast de la grande finale des WGL de mai. Sur ce, au revoir YouTube, au revoir Twitch, passez une bonne soirée, à demain, ciao ciao.